vous venez de Viaja. Bonjour tout le monde. Regardez ma gueule. Je suis fatigué, hein, ça se voit. Normal, j'ai pas beaucoup dormi. Aujourd'hui, c'est le grand jour. On part pour l'Écosse. Donc, je vous propose de suivre cette journée avec moi et puis de suivre ce voyage en Écosse avec moi. Voilà, j'espère que ça va vous plaire, hein. Attention. Ouais. Hé, hey, regardez. Monsieur Steven est là. Voilà, premier membre de la team qu'on retrouve. Ça va continuer comme ça. Mystère qui nous accompagne. Vous devriez deviner, mais... Voilà, hein, ça se prépare doucement. Hé, hey, ben voilà. On videra arriver à Bordeaux, c'est fou. On a récupéré Alain. Ouais, ça faisait longtemps. Et puis, bah, on attend le vieux, comme on l'appelle. Il a le même style, lui aussi. Veste en cuir, capuche. Oh là là, le style écosse. Veste en cuir, capuche. Veste en cuir, capuche. Bonjour. Évidemment. Veste en cuir, capuche. Ça va? La forme? Ouais, ça va. Donc là, on vient d'arriver à Bordeaux, enfin Mérignac. Il faut qu'on chope le bus. Il est là dans moins de 10 minutes. C'est speed, hein. Mais voilà, on est arrivé déjà à première étape. Mais on n'est pas encore en Écosse. Déjà, on n'est pas encore en avion. Puis on va faire une petite escale à Amsterdam. Donc je filmerai ça, voilà, pour le fun. Bon bah, prochain rendez-vous dans le terminal de Mérignac, on se revoit. Yo les gens, eh ben, regardez, on est à l'aéroport de Mérignac. Et alors, notre avion, c'est rigolo quand même, a du retard. Enfin, il partira en retard parce qu'il y a du brouillard. Voilà. Donc du coup, on va peut-être être obligé de dormir à Amsterdam s'il part trop tard et on n'aura pas de correspondance et on partira que le lundi matin. Donc c'est des petites aventures, on sait pas encore, on n'est pas fixé. On verra. Vous allez peut-être avoir un vlog à Amsterdam. Voilà, il y aura peut-être un vlog à Amsterdam du coup. Voilà. Donc, on va voir ça. Je vous tiens au courant. Dans la prochaine vidéo, je vous en dis plus dès que j'aurai plus d'infos, quoi. Hey, donc apparemment, on décollerait à 13h15 pour Amsterdam, donc la correspondance. Et après, je sais pas exactement quand, mais il y a des chances qu'on soit à Édimbourg ce soir vers 20h au lieu de 16h. Donc, on aura plusieurs heures de retard en tout cas. Je vous laisse admirer la petite vue de l'aéroport de Mérignac qui est fort sympa. Bel avion. Ouais, mais c'est pas celui-là qu'on va prendre, hein, c'est un KLM. Freestyle, je raconterai mieux ce soir, mais on a réussi à choper cet avion, c'était pas gagné du tout, on est rassuré. C'est l'enchaînement des choses à cause du retard qu'il y a eu à la base, ça nous a obligé à courir. Voilà, on vous racontera ça ce soir en détail. En attendant, là il est 16h57, 17h, on arrivera à Édimbourg vers 18h passé, je pense vers 18h30, j'en sais rien, mais dans ces heures. Allez. Et on vient d'arriver en Écosse. Ouais. Le premier écossais filmé. Hein, c'est beau quand même. Ça se trouve, il n'est pas écossais. En fait, il s'appelle Jean-Philippe Laforge. Il est venu en stage. Bon, bah voilà, tant pis, hein. Pas de chance. Et voilà, donc, mais tout à l'heure, on va essayer de vous montrer les premières vues de Édimbourg. Je pense que ça peut être sympa. Hein. Ouais. Et puis, apparemment, il fait beau pour le moment. Il pleut pas en tout cas, donc. On verra bien ce que ça donne, c'est cool, tout arrive sous le soleil. Bien. Ouais, comme l'a dit monsieur Steven, effectivement, voilà, Alain attend pour retrouver sa valise. On ne sait pas si c'est ici, si c'est là-bas, si c'est plus loin. Donc voilà, c'est le suspense. Mais bon, on va quand même finir par trouver ça. Pas de raison. Ou s'il arrive pas du tout. Ah, allez, la chance est avec nous quand même. On ne sait jamais. Quand même. Attends, Genève. Ah bah oui, ça n'a pas arrivé ici. Cet homme vient de trouver sa valise. Elle est fraîche ton eau? J'imagine. Mais attends, ça se trouve ça a touché des tests de dos en direct. Des trucs dans une soute avec des embryons d'aliens, des trucs comme ça. Au moins ça. J'ai peur de boire cette eau. C'est vrai qu'entre Amsterdam et Écosse, on en... Ça me rappelle le test du muffin. Ah, ouais, sur la dernière vidéo. Elle est bonne? Ouais, nickel. Elle est bonne. Elle est bonne. C'est l'Écosse. Ouais. Donc
on vient d'arriver donc à l'extérieur de l'aéroport. J'arrive pas à voir le réseau. Apparemment, notre auberge de jeunesse serait à 1h30 de la Bournée. Ça fait loin quand même. Ça sent le mazout. Je vois ça. Appel, SMS, MS limité, internet 100 gigaoctets, valide pour pays destination. Bon, c'est bon. On vient de prendre un petit bus bleu. Comme derrière, je sais pas si vous le voyez. Ouais. Dans un bus comme ça, il y a un étage. Là, c'est 4 livres. Ça fait cher le ticket. La vie a l'air chère ici. Ouais. On évitera à l'avenir ces bus. Enfin, je crois. Bus de touriste. Là, on va vers le centre de Édimbourg, pardon, on va y arriver. Eh oui, on roule à gauche en Écosse. Il est 1h de moins. Il est pas 19h, il est 18h. Ah, bah ça va, il est 18h en fait, ça c'est la bonne nouvelle du jour. On a gagné 1h. On a gagné 1h, si j'avais su. Ça va. Allez, ça commence. Ouais, vue sur les maisons écossaises. Ouais. J'aurais pris 100 euros là, j'aurais fait. Change de la France. Mais c'est fini. Vers le bus. On verra mieux un autre jour, enfin un jour, ça donnera mieux. C'est super. J'ai vu plein de petits coins super sympas. Oh, les rues elles sont énormes. Avec les mêmes maisons super hautes. Ah voilà, on est dans les rues du cœur d'Édimbourg. Ah, on voit pas grand chose à mon avis vu. Oh là là, regarde, regarde-moi ces petites vues, le rocher là. Oh, t'as vu ça hein, c'est... T'avances, tu vois ça. C'est juste. C'est l'Écosse. Ça a de la gueule. Ça a de la gueule. C'est... Là-bas aussi. Ah. On verra mieux en plein jour quand même. Hein. Ça a juste une super gueule, je vous jure. C'est super beau. T'as vu un peu cette vue quand même de nuit? Je vous en prie. Ah ouais, demain ici ça va être séance pas paradis. Hein. Je vais bientôt arrêter de filmer dans la ville parce qu'à mon avis on voit pas grand chose. Mais quand même, regardez-moi ça. Là, là, là-bas. Ça a juste un cachet énorme. Chaque fois je dis que je vais arrêter de filmer, mais en fait, regardez dans quoi on passe. Et du coup voilà, c'est tellement joli je trouve de nuit avec toutes les lumières comme ça. Ça a du charme, donc je vous en fais profiter. Je sais pas où on va mais on y va. Sympa dans le bar et tout. Hey les gens, on est arrivé dans notre petite chambre. Petite vue sur Édimbourg, mais surtout petite vue dans la chambre. Voilà. Ça, c'est le lit de Monsieur Tenko. Hey. On est où ici là? Là, on est en Écosse. Ouais, mais on est où en Écosse? On est dans l'auberge de jeunesse. Ouais, mais oui, mais dans quelle ville? À Édimbourg. Ouais, je préfère, ouais. Ça, c'est le lit de Alain. Et ça, c'est le lit de Monsieur. Ça, c'est mon lit, ça. Ça, t'as vu, c'est mon lit, ça. Non, mais tu vois. Oh. Hey, on a trouvé un petit resto super sympa. Regarde un peu le cadre. C'est Enzo Piattini. Coucou. Ouais, non, c'est son frère. C'est Matteo Piattini. Alors, moi, j'ai commandé un Irnbrew. C'est une sorte de soda locale un peu sucrée. C'est, moi, j'aime beaucoup. Il a commandé un Ice Coffee. C'est un petit café glacé. Très bon. Ça, alors ça, c'est très rare. Ça s'appelle de l'eau. C'est en voie de disparition, faut en prendre soin. Et ça, c'est du jus de pomme. De pomme. Pardon? Apple. Merci. Je préfère. Hein. Je fais ça. Et oui, tu survis. Petite calzone de viande, petite pâte et petite vegetable pour toi. Ouais. C'est fort sympa. Hein, bon appétit, les gens. Bon appétit, les gens. Bon appétit, les gens. 15. Les gens. On est dans le salon de la guest house. C'est 2,2. Pas voir grand chose. Enfin, la guest house, c'est l'auberge de jeunesse. 5,2. On va se faire un petit jeu. Il y a un bar, il y a un billard là-bas, je vous montrerai plus tard en détail. Mais c'est vraiment super sympa. Faudra qu'on se fasse un billard d'ailleurs. Un soir.
Ah, ce sera un billard. C'est la bière que bière c'était. Je crois que c'est bière. Ouais, je crois. Quoi ? Tu peux prendre 15 pintes, c'est 15% de ce que tu prendras une seule fois. Voilà. D'accord. Et voilà, bière. D'accord. Bière. Et voilà les gens, hein, c'est la petite dernière vidéo de la journée parce qu'on est tous très fatigués. Voilà. Et qu'est-ce qu'on va faire demain sur Édimbourg ? Vider. Acheter des broutilles aussi. Visiter, acheter des petits produits, tout ça qu'on aura besoin. Et puis après mardi, on retrouve nos deux compères qui vont arriver, qui vont se rajouter. Il y a deux autres personnes qui vont venir. Et mercredi. On laisse la surprise. Voilà. Santé. Santé. Céline.